L'objectif visé par cette mission est de sensibiliser les éleveurs sur l'intérêt d'une campagne de vaccination qui vise à l'amélioration de la santé du cheptel et par ricochet leur adhésion pour le contrôle des pathologies propriétaires. Il s'agit aussi de recueillir leurs avis sur les modalités de mise en œuvre des campagnes de vaccination. La secrétaire générale adjointe du ministère, Mme Monodi Rirabe, par ailleurs chef de mission, a indiqué que l'Organisation mondiale de la santé animale s'est engagée pour l'éradication de la peste des petits ruminants PPR d'ici 2030 et le Tchad en a adhéré. C'est pourquoi l'adhésion des éleveurs est requise pour cette cause qui pourrait protéger les animaux contre les maladies à même de décimer tout un troupeau. Le gouverneur de la province du Kanem, Issa Hassan Diogoy, a déclaré que compte tenu de son apport dans l'économie nationale et dans l'amélioration des conditions de vie des populations, l'élevage est incontournable dans la lutte contre la pauvreté au Tchad. C'est un secteur potentiel en matière de garantie pour la sécurité alimentaire. C'est dans cette optique que le gouvernement déplore des efforts avec l'appui des partenaires en vue de renforcer les capacités des services publics vétérinaires pour maintenir les acquis obtenus et améliorer la santé animale. Pour joindre l'acte à la parole, la mission s'est rendue à Bilia, village situé à quelques kilomètres de Mao, pour une séance d'information et de sensibilisation relative aux maladies contagieuses et aux facteurs de risque à l'endroit des éleveurs en vue d'augmenter leur adhésion à la vaccination.